excited to come to this competition because we made the choice to stay junior for this season, just to expand our elements, and we knew that we had a good chance to win this event, so it was really exciting, and I think we're both really proud to be able to bring that home. Ouais, on est vraiment fiers parce que, ben, premièrement, on s'entraîne vraiment fort à tous les jours. Et pour nous, c'est ça. On, à chaque jour, on donne notre 100%, on fait de notre mieux, puis on veut vraiment donner notre meilleur à chaque compétition, puis on veut s'améliorer. Puis aujourd'hui, même si c'était pas parfait, on a réussi à sortir beaucoup de positifs de notre performance. Et grâce à ça, on sort avec la médaille d'or, donc on est super fiers de nous. Puis on fait juste regarder de l'avant pour les nationaux. Neither of our programs were 100% perfect. I think we were both really proud of our short program yesterday and how we were able to get a little bit of a head start. Our long wasn't our best showing, but I think our goal was just to do enough at this competition and then we'll be ready to clean things up for nationals. Ouais, dans le fond, on est vraiment fiers de nos performances, surtout le short, le programme court. On a vraiment fait une belle performance, même si c'était pas 100% parfait. On a surmonté quelques défis, on avait vraiment des petits détails qu'on a travaillé fort et ça a vraiment paru dans nos dans notre performance en général. Dans le programme long, on a eu également quelques petits problèmes, mais malgré tout, on a gardé la tête haute. On est resté connectés, Chloé et moi, ensemble et vraiment, on a réussi à sortir beaucoup de points positifs quand même. Puis on est quand même fiers de, malgré tout, malgré les petites erreurs, on est très fiers de ce qu'on a pu présenter en fin de semaine à Edmonton. Yeah, it's a good event in between sectionals and nationals to find those places where we need to fine-tune when we go back to training. Ouais, absolument. Là maintenant, on retourne à la maison. On sait c'est quoi les points qu'on a travaillé le plus. On sait qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment s'améliorer, puis également être à notre maximum rendu aux championnats nationaux. C'est notre objectif ultime, donc c'est notre dernière compétition de la saison. On va être à notre 100% puis on veut donner le meilleur de nous-mêmes à St. John's. For me, it's our training mates in St. Leo, Kirsten and Mike. They just have such a great relationship together and they're always having fun in the ice and I think that's really important in a partnership. Oui, vraiment, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Kirsten et Mike sont nos partenaires d'entraînement. On est avec eux à tous les jours puis ils nous font sentir comme si on était leurs amis. On est là, ils s'entraînent avec nous, ils nous encouragent. Puis à chaque jour, ils veulent nous inspirer le plus possible. Et en même temps, ils sont vraiment super à regarder patiner. On a beaucoup à apprendre d'eux. Ils ont beaucoup d'expérience. Puis ils nous partagent tout le temps leur expérience avec nous. Donc on est vraiment chanceux d'avoir eux dans notre école. Et ça nous permet de vraiment s'améliorer aussi en tant que couple.